Petit tour de magie très simple à réaliser, les cartes ascenseurs. Bon, un jeu de cartes en somme toute très simple, non truqué. Je vais sortir deux cartes, le 6, le 9 devant vous, que je vais prendre et que je vais remettre donc dans mon paquet à deux endroits bien différents. Vous voyez, je vais prendre ensuite mon paquet, le scindé en deux, et mélanger les cartes. Le remélanger une deuxième fois. Et simplement en faisant un geste comme ceci, on s'aperçoit que le 6 et le 9 sont remontés à la surface. Petit tour très simple à réaliser qui nécessite quasiment aucune préparation. Simplement, ne serait-ce que le fait de choisir systématiquement les mêmes cartes, c'est très simple. On va donc sortir les 2-6 et les 2-9 noirs. Voilà, que j'ai dû laisser passer. Alors, nous avons donc le 6, le voici. Alors c'est un tour qui doit être effectué relativement rapidement pour ne pas que le spectateur ait le temps de se rendre compte, d'accord, de la différence. En fait, vous allez placer un 9 de trèfle et un 6 de pique en haut de votre paquet, ou bien un 6 de trèfle et un 9 de pique, peu importe. Et lorsque vous allez présenter le tour, vous allez donc sortir votre premier 6 et votre premier 9, assez rapidement, comme je le fais. Voilà, en disant bien qu'il y a un 6 et un 9, tout de suite on reprend les cartes afin que le spectateur n'ait pas vraiment le temps de se rappeler qui est le pic, qui est le trèfle. Je les remets dans un ordre, peu importe, sans aucune importance, au milieu. Et je vais venir donc, ici n'oubliez pas, j'ai toujours mon 6 et mon 9 qui sont là-haut. Je vais venir scinder mon paquet en deux, faire un mélange que l'on appelle un mélange à l'américaine, en prenant soin de laisser mes deux cartes sur le dessus. De cette manière, on donne donc par cette illusion l'impression que toutes les cartes sont mélangées, sachant que celle du dessus reste tout de même à leur place. Allez, on le fait une dernière fois pour vraiment donner au spectateur l'impression que c'est extrêmement bien mélangé. Et une fois que c'est fait, avec une petite passe magique de votre choix, on retrouve miraculeusement le 6 et le 9. Et on peut faire vérifier tout le paquet.